Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Redneck Head, Astro Monster Show, un jeu édité et développé par Rustic Fantastic. La sortie, c'est le 10 septembre 2020, nous sommes sur PC, et il me semble que pour l'instant, c'est uniquement sur PC, c'est la version Early Access du jeu, donc on va découvrir ça ensemble, et c'est un jeu très très spécial. Je suis tombé dessus par hasard, j'ai fait « Ah !» Il est un petit peu chelou, et moi, vu que j'aime bien les jeux chelous, bah, on est fait pour être ensemble. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas. C'est un jeu un peu beat'em all, aventure, un peu glauque. Je dirais que c'est déconseillé au moins de 10 ans minimum. Je suis pas forcément sûr pour la classification, en espérant que ça vous plaise. S'il y a des jeux que vous voudriez voir en découverte, n'hésitez pas à les proposer dans l'espace des commentaires. Et puis allez, sans plus tarder, c'est parti. On est d'accord pour dire que le jeu est très très spécial. Nous sommes du coup Ed, une personne qui aime le catch, donc du coup, bah forcément, c'est une bonne personne. Il rodait comme ça le catch tranquille et tout, et on vient le déranger, et en plus de ça, on lui arrache la face. Ça j'avoue, c'est... J'espère pas que ça nous arrivera un jour, parce que ça doit bien faire mal déjà, de se faire un peu scalper le visage. Ok, on est ok. Attaque forte. Alors ça, juste pour vous dire, cette phase-là, je l'ai faite pour voir si le jeu tournait bien. Voilà, c'est juste fait cette phase-là. À partir de là, on course la petite. Enfin, petite, je suis pas forcément sûr. À partir de maintenant, ce sera la découverte pure et dure. Et à voir, on se fait enlever par les aliens. C'est un peu le streaming YouTube, bah, intersidéral. Bienvenue chers téléspectateurs, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle saison d'Astro Monster Show et je suis heureux de vous revoir tous ici. Année après année, des prétendants au hasard se battent pour le titre de champion. Certains réussissent même, ils gagnent la renommée, la richesse et surtout la liberté. On dirait, comment il s'appelle déjà, le film où il fallait se battre pour sa liberté avec Jennifer, oh, je sais plus le nom, bref, vous savez sans doute en commentaire. Les autres continuent de se battre, parcourant les arènes encore et encore, gagnant plus d'étoiles pour augmenter leur cote. Oui, nous les soutenons tous et nous y croyons, mais c'est comme une nouvelle saison, nous avons un nouveau concurrent. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement Ed de la planète Terre. En ce moment, il est au plus bas, mais voyons à quelle vitesse Ed peut gravir les échelons, maintenant que le spectacle commence. Salut joueur. Quoi? Où suis-je? Il s'agit d'un programme d'entraînement, je m'appelle Apming, mais tu peux m'appeler Maître. Je te préparais pour les épreuves à venir. Je pensais l'avoir rêvé, c'est un extraterrestre? Tu es réel, je le savais. La façon dont je le vois, le seul étranger ici est toi. Assez parlé, montre-moi ce que tu as. Bob, viens ici, joueur, frappe-le si tu peux. Ok, où est-ce qu'il est? Oh là là. Alors, ok, ça... Petite esquive. Ça me fait vachement penser au niveau du dessin un petit peu à... Comment il s'appelle déjà? Cuphead. Et c'était Hunger Games le film. Pour ceux qui l'auraient trouvé, bah GG. Wushi, c'est mauvais, je vais devoir t'enseigner les bases. Je t'accorde la connaissance des frappes rapides. Tu dois maintenant apprendre à l'utiliser. Aïe, qu'est-ce que c'est? Je connais le Kung Fu. Alors, appuie trois fois. Bon, ok, bah ça, on connaît. 1, 2, 3. Ah, faut le faire devant. 2, 3... Bien, adaptation, improvisation, mais ta faiblesse n'est pas dans la technique de combat. As-tu regardé La Matrice, un film sur la Terre? C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Je vais maintenant t'apprendre un uppercut fort. Je commence à aimer ça. Je ne rêve certainement pas.
Ouais, c'est vraiment plus, s'il aime bien se taper alors qu'on lui a arraché le visage, bah pourquoi pas. Ok, triangle pour faire un nu. Ah, par contre, ça met un petit peu de temps à charger. Ah, faut le faire encore 4 fois. 1. Ah, par contre, quand il est au sol. Est-ce que tu peux l'enchaîner? Voilà, on peut l'enchaîner sans qu'il retombe, ça c'est cool. Et Avla, qu'est-ce que tu attends? Tu es plus rapide que ça. Je sais que tu essaies de faire. Oh, ok. D'accord. Maintenant, combinons les deux mouvements. Jette Bob en l'air et effectue une combinaison faible en sautant. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire tout à l'heure sans le vouloir. On y va, on saute et. On essaie de l'enchaîner. Oh là. Pas mal ça. Ah bah, en plus, il le dit. Pas mal, je pense. Je pense que les téléspectateurs apprécieront. Nous reverrons, Ed. Ah, merci. Je suis prêt, Morphée. Quoi? Rien, juste une référence de film. Ah, en plus, eh, mais je suis tombé. D'accord. Ah, je vois le principe, c'est un peu comme dans Hunter x Hunter, c'est-à-dire qu'on va affronter des ennemis plus ou moins forts, et plus on va gagner d'étoiles, plus on va en affronter des forts, et plus on va monter d'étage, c'est-à-dire que plus tu montes d'étage, plus tu es puissant. C'est un peu ça le principe, donc on va voir Stoneland, c'est parti. Oh là là, l'entrée est magnifique, oh là, qu'est-ce que tu veux toi? Petite esquive. Ah franchement, je pensais vraiment que le jeu ça serait un beat'em all, avec de la phase de plateforme et tout, mais pas du tout, et ça me dérange pas, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah bah. Il a vraiment aucune chance. Et non, ça c'est l'esquive. Pour moi, c'est tout. Faut le dire, hein, si je suis trop puissant. En plus, je récupère des likes. C'est peut-être une monnaie. Peut-être que pour eux, c'est leur monnaie virtuelle, ça. Pour pouvoir, je sais pas, acheter de l'équipement ou. Je ne sais pas quoi. Voilà, c'était eux qui me dérangeaient le plus. Hop là. On l'envoie mal naguer. On l'enchaîne dans les airs. Et c'est presque le GG, et voilà. En plus ça, rock'n'roll. On est sur le hub principal, oui, comme je dis, c'est par rapport aux étages, et là on va devoir upgrade notre personnage. Alors, vous êtes le docteur Franky? En effet, tu dois être Ed. Félicitations pour ta première victoire. Ok alors, vous attendez ici pour me remettre mon visage? Bien sûr, j'aurais préféré inculquer quelques manières à cette petite morveuse, mais peu importe, je vais juste reprendre mon visage et ne pas me plaindre. Attendez. Que vous vous donniez un coup de pouce et rien de plus. Et pourquoi supposez-vous que j'ai votre visage? Demandez à celle qui vous l'a pris. Maintenant, commençons. Entrez dans la machine. Ah, merci. Machine. Oh, je deviens Captain America, je vais rien comprendre. Amélioration de la santé. 50 points de vie. Les legs seront retirés. Bah voilà, c'est justement ce que je parlais tout à l'heure. C'est pile poil ce que je pensais. J'ai remarqué que tu n'utilisais pas ton G-Paid. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'utilise maintenant? Chaque concurrent reçoit un G-Paid. Cela permet de suivre les progrès d'utilisation des bonus au show. Vous pouvez également utiliser un G-Paid pour équiper des cartes d'effet, des objets et des superdoses. Il y a aussi un petit messager, c'est réservé à l'usage local pour les participants au spectacle. Donc défense de parler aux amis et aux parents. Lorsqu'on aura suffisamment de likes, pardon, pour une nouvelle mise à jour, j'enverrai une notification. Je pense avoir dit... Tout ça avant, appuie sur Select pour le G-Paid. Ah, attends, on va voir. Ah ouais! D'accord, donc ça, c'est le mouvement que j'ai. Merci. On verra ça un peu plus tard. Moi, ce que j'ai envie, c'est me battre. Non, on va au premier étage, s'il vous plaît. Abusez pas. Je veux pas aller au deuxième. Attends, on peut aller jusqu'à où pour l'instant? 2, 3, 4. Ok, donc il y a potentiellement 5 étages. On verra ça un peu plus tard. Et là, pour vous dire, j'ai fait le mode facile de cette map. Après, si je me sens assez fort, je peux très bien faire le mode normal, difficile, et ainsi de suite. Mais je vais essayer de vous montrer un maximum de niveaux. Ce qui est un petit peu meilleur. Et vraiment, l'entrée, c'est, j'adore comment ça se passe. Ouais. Attends, est-ce que... Non, je peux pas... Au secours. Il m'a cramé. Oh toi. Tiens. Reviens, je vais même à la maison. Ah mais il fait mal quand il me crame. Voilà. Non mais oh, tu te prends pour qui? Aïe, ah, par contre. Faut faire attention, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Petit jeu indé, c'est voilà, c'est y a pas beaucoup de budget et autres. Et souvent il y a souvent des bonnes idées dans les jeux indépendants. Et ben j'aime bien, voilà. C'est typiquement le type de jeu que j'aime bien. Bon ça va, on lui a fait perdre, on va dire, le tiers de sa vie. On va sans doute... Moi je dis, je vais mettre 2 minutes 10 pour le battre. Je le sens. Voilà, parfait ça, on continue. Notre balle, bah bien sûr que c'est pas mauvais. Non, au secours. Oh, je crame. Ah, j'y vais peut-être un poil trop rentre dedans. Alors que je fasse gaffe, j'ai presque plus de vie. J'avoue, j'y suis allé beaucoup trop fort. C'est de ma faute, je l'avoue. Voilà, lui aussi, il lui reste pas grand-chose.
Est-ce que je vais réussir avant qu'il me batte? Je ne laisserai personne me battre. Oh non, j'y suis presque. Et voilà! J'ai tenté, c'est vrai que j'ai fait un peu le fou, en plus il me restait presque plus de vie, mais je voulais voir ce que ça faisait d'aller, d'y aller comme un barjo. Excellent travail, Ed. C'est ta deuxième victoire, bien joué. Le spectacle a enflammé ton esprit combatif. Waouh, waouh, le spectacle. Je dois l'armer, pardon, excuse-moi. Bref, ouais, ils vont parler beaucoup. Lui, il est là pour présenter tout son show. Ah, il faut que je retourne. Oh, un cochon. Eh, qu'est-ce que tu... Ça va, toi? Attends, on peut pas le taper. Non, mais arrête de bouger. Comme par hasard. Franchement, dans tous les jeux, il y a obligatoirement un cochon. Ça, c'est la base dans n'importe quel jeu. Parti pour le déjeuner, reviens bientôt. Très bien. Psst, par ici, souhaitez-vous mettre à niveau votre carte? Mais bon, ça c'est pour les cartes. Oh là, calme-toi, gamin. La machine d'entraînement. Alors, je vais acheter ça. Strong combo, appuyez sur... D'accord. Je savais que nous le reverrons sous chaîne. Tu peux toujours t'entraîner ici. D'accord. Bon, on va s'entraîner là. Après, vu que ça parle beaucoup, j'essaie de passer... Wow. Attends. Ah, donc, maintenant, le mouvement, celui-ci, là, il fait 3 combos. Oh, c'est puissant, nice. Bon, je me barre, merci à vous. Allez, salut. Et lui, pour les cartes, je le verrai une prochaine fois. Je pense qu'on m'avait plutôt appelé pour l'entraînement, pour me dire, voilà, si besoin d'entraînement, c'est ici. Voilà, je casse les caméras, moi je suis un rebelle. As-tu des cartes que tu peux apporter? Tu veux... Oui, je veux continuer sans objet. Je me sens assez fort pour ça. Wow, ça va toi. Alors là, c'est le bûcheron de la mort. On l'appelle même dans le jargon le bûcheron de la moelle. Ah mais maintenant avec ce combo là je suis beaucoup trop fort. En plus je le mets au sol, tu vois. Oh d'accord, faut faire gaffe par contre. Aïe, mais tape vite. Tiens, misérable, je ne suis pas un arbre. Récupère ce like. Et ouais, je t'ai vu venir là. Bien joué. Allez, tu veux pas me taper? Bah si tu veux pas, moi j'y vais, let's go. Et oui. Aïe, par contre là je tape un peu trop n'importe comment. Ouais. Non. Ah là je vous laisserai pas faire. Ok. You lose. Au moins vous voyez une défaite. Alors qu'est-ce que ça fait? Ce chemin, ça... Ah d'accord, ça fait le bruit d'une crotte. Qu'est-ce que... C'était quoi? Je pensais que j'étais mort. Tout cela n'était qu'un rêve. Ça va, Ed, ce n'est pas un rêve, tu es vraiment mort. Eh bien, je serai damné. Nous vous t'avons ramené, d'accord, nous vous avons ramené plutôt, à la vie en utilisant le matériel génétique extrait de toi plutôt. Tu vois, personne ne meurt dans une mort finale de la série, sinon nous manquerons de prétendants. Ok, d'accord, j'ai compris. Du coup, on va pouvoir recommencer, et moi, je veux retry. C'est maintenant, le combat final. Le boucher. Parce que oui, c'est un bûcheron, mais en même temps, moitié bûcheron, moitié boucher. Ah, je me laisserai plus faire. Voilà, notre batte, bien sûr. Tu crois quoi? On n'est pas mauvais, nous? Allez, vas-y. Au sol. C'est le seul endroit où tu dois être. C'est au sol. Pas mal, ça. Oui, vas-y. Oh là là. On est en train de le mettre tellement mal. Ça change la première fois. Ah, dommage. Dommage, on était bien, là. C'est pas grave. On a vraiment une belle avance. Vraiment, pour perdre, il faut vraiment que je fasse nimp. Allez, dernier combo sans doute. Ah non, et... Ouh, attends. Attention à ça, la serrou. T'esquives. Voilà. Et c'est fini pour lui. Donne-moi tout ce qui m'appartient. 2 et 3, voilà. Bien joué. C'est ça qu'on veut, la victoire. Alors, ça c'est très bien. Troisième victoire, bravo Ed. Non, mais attends. Alors, laisse-moi voir ce qui se passe. Ah bah tiens. On peut aller ici, donc on va y aller. En plus, on va laisser le cochon dormir. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir, quelqu'un? Ah. Oh, d'accord. Oh, ils ont porté... Il a un peu le physique amorti. Ouais, par contre... Tiens. Parfait. Par contre, j'ai pas vu la stipulation. C'est quoi ça? D'accord. Merci, notre bad. En fait, notre bad, c'est quand tu tapes les ennemis... Sans prendre de hit pendant un certain temps. Et le but étant accessoirement de les envoyer
Au milieu, vous voyez, ici là. Sauf qu'il peut pas passer. Oui, ça... enfin moi je peux, mais eux ils peuvent pas. Ou à part s'ils sont peut-être pas bêtes aussi. Ça peut jouer. Alors viens, oh là là, oh là là. Oh, on y était presque. Que je pense que si on les envoie là. Oh bah toi, la petite caméra là. Je vais t'avoir. Oh bah là, voilà, vous voyez. C'est ce que je disais tout à l'heure. On se laisse pas faire. Les caméras, on n'en veut pas. Hey, hey, hey. Ah, oh, comme par hasard. Ils auraient pu être tous les deux dedans. Qu'est-ce que nous avons fait? Allez, viens, voilà. Oh! En plus, ça leur fait pas mal de dégâts, j'ai l'impression. Ah là, c'est... ça change un petit peu des combats, un contre un. Non, non, non. Toi, tu retournes dedans. Par contre, ça serait bien qu'ils donnent de la vie, tu vois. Après, je pense que le but vraiment du jeu, c'est de mourir. Et après, t'es de upgrade ton personnage. Et en faisant ça, bah, tu peux devenir plus fort, plus résistant, etc. etc. Voilà. Le jeu te force sans doute à mourir. Voilà. Oh non, non, non. Celui-là, je le méritais pas. Vas-y, non, 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 non. Celui-là aussi, je le méritais pas. Oui! Oh, j'ai de la chance, j'ai plus de vie en plus. Aïe, aïe, aïe. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo découverte. En espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!